Salut à tous et bienvenue sur l'amour du maillot pour la deuxième vidéo unboxing du colis qui m'a été envoyé par Roland. Alors aujourd'hui je vais vous présenter un maillot qui vient directement du site de la marque. Hop, un maillot que j'ai eu en promo, une plutôt belle promo en plus. Toc, je cache ça. Un maillot d'une marque dont je vous ai déjà parlé récemment, un maillot que je trouvais très joli, mais j'attendais vraiment d'avoir une bonne occasion pour l'ajouter à ma collection. Donc déjà, si je vous montre ça, les puristes auront compris de quel maillot il s'agit. Hop, on va ouvrir le sachet. Donc ce maillot, je l'ai acheté parce que Roland a trouvé une... C'est lui qui avait repéré la promo, en fait, sur le site de la marque. Et c'est maillot de la saison précédente. Donc c'est pas le maillot 2021-2022, mais un maillot de 2020-2021. Vous allez reconnaître certainement à la bande... le maillot de Stuttgart avec le sponsor Mercedes, magnifique Mercedes Bank, très très beau, fabriqué par Yako. Donc c'était une promo sur Yako, vraiment une très belle promo. Alors il n'y avait plus de L malheureusement, j'étais obligé de prendre un XL, mais avec les logos en plastique, donc comme sur le maillot du Bayer Leverkusen que je vous avais déjà montré. Vraiment maillot magnifique, magnifique, avec des détails, encore une fois très beau travail par Yako. Un col vraiment super sympa. Le maillot de cette année de Stuttgart était très très beau, 2021-2022, sachant que Yako a fait de Stuttgart son club principal puisqu'ils sont basés à Stuttgart. Du coup ils mettent un petit peu le paquet sur les maillots du club. Donc, vraiment maillot très très sympa. Donc bon, c'est souvent la période de l'année où on achète le plus de maillots, hein, normal, puisque c'est là que tous les clubs et toutes les marques font leurs promos, et elles commencent assez tôt en fait, de plus en plus tôt. Et parfois, quand on a du bol, et ben, même les maillots des saisons précédentes sont bradés d'autant plus et on obtient des promos vraiment super sympas. Donc voilà, ce maillot que j'ai dû payer, je crois, 20,9€. Donc, très content, très très content. Voilà, c'est tout pour la deuxième partie de cet unboxing. J'espère que ça vous a plu. Pensez à vous abonner à la chaîne. Pensez à mettre le pouce bleu pour que la vidéo soit bien référencée. Pardon. Pensez à activer la cloche pour être notifié de l'apparition des prochaines vidéos. Et nous, on se retrouve très très vite pour la troisième partie de cet unboxing. Ciao !